Et bonjour à tous, on se retrouve au Nouveau-Mexique, ou au Mexique, je ne sais pas, sur Red Dead Redemption. On avait la dernière fois réussi à stopper un train avant qu'il explose sur un pont qui avait été miné. Et aujourd'hui, on va poursuivre nos aventures. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Bien entendu, le cheval crétin, il est passé de l'autre côté. Ah non, ça va. Alors, là, on avait fait le bras de fer. Qu'est-ce qu'on a sur la map? Donc ici, dans le coin, on a que dalle! Tout est à Perpetuillezoie. Et on va aller à Chupa Rosa. Voir London et les trucs mûches. Et alors, on n'a pas de temps à perdre. C'est super loin. Bon, je vais pas mettre le campement. Histoire, parce que je connais pas les environs. Histoire de voir si on n'a pas des petites missions qui se déverrouillent en passant devant. C'est super loin, alors ça va prendre plusieurs minutes avant d'y arriver. On dégage. Je vais prendre le pistolet. J'ai dit le pistolet. Où qu'il est le pistolet? Pas le volcanique. C'est bien. Des fois qu'on se fasse attaquer par des loups, des pumas et tout ce que vous voulez. C'est plus le croc, perdido. C'est quand même bien fait les décors. Hein. Et puis la musique western. Pas la chapelle, non? Où il y avait la nonne qui faisait la quête. Ah bah voilà une mission. Oh la vache! Voilà. Il en reste encore un. Plus personne. Récupérer des munitions, on va fouiller un peu les corps. Ah, on a plus d'argent qu'au départ hein, quand même. Là, il y a un fusil ici. Et là,
Yeah, you'll be needing this. Hop. Et on est reparti. Attends, je me suis arrêté là, j'ai un coup de main et puis l'autre je me fais canarder dessus par 4 mecs. Bien sûr j'étais un peu surprise. Mais je les ai dégommés. Bien fait. Un serpent à sa nette. La nuit tombe. Il camoufle pendant des heures. Hop. Un petit virage à 90 degrés, hop. On fait un petit drift. Tourne à fond. Let's go. Encore vivant, toi. Mais de rien, ma petite dame. En plus, il y a un coffre. Là, le mien, il est là. Bon, prends notre route là. Non, parce que c'est bien gentil, mais c'est pas ça qui va nous faire arriver. On en est où d'ailleurs là? Ça fait 3 plombes que je... Oh la vache, on est encore pas tout près là. C'était quoi ça? Ah mais d'accord. Non mais c'est normal. Au Mexique, c'est bien connu, les caisses elles volent. Let's go. Il est très bien ce jeu. Mais qu'est-ce qu'il peut y avoir comme des comme bug? Et qu'est-ce qu'ils volent, les portes qui s'ouvrent pas? Le pire, c'est les portes qui s'ouvrent pas, ça te bloque carrément le jeu. Il faut que tu recommences. Voilà. On est arrivé à bon port en 10 minutes. Là tu es plein de monde, mais c'est pas grave. Y les digo, de aquí bajar, chinga
chinguen a su madre. Que no calle ese güey. Y de aquí para acá. No comprends rien. Hey, gringo! Hablas español? Paella, guacamole. Pardon, pero yo hablo un solo poquito español. Poquito. Habla English? Oh, sí, gringo. Hablo mucho inglés. Sí. Hablo filthy fucking bean eater. Hablo slippery little Mexican. Oh. Hablo little piece of shit. Shit. Comprende, amigo? Comprende? Qu'est-ce que tu fais ici, gringo? Je suis un pote à avoir invité dans mon pays. Personne ne m'a invité, amigo. Je ne vous veux pas de mal. Tu ne veux pas de mal? C'est marrant, ça. Quel genre de mal tu pourrais nous faire, hein? Aucun mal, amigo. Bon, je remercie pour le petit comité d'accueil. Il ne devrait pas gâcher un magnifique après-midi. Ah, si vous payez avec plus d'incivilité. Si vous voulez bien excuser. Oh, pas si vite, gringo, t'as oublié quelque chose. Petite taxe. Une famille nombreuse. Moi, j'ai un barrier rempli. Moi aussi, j'ai une famille, amie. Mais si on veut tous les deux revoir nos familles un jour, mieux vaut qu'on se sépare cordialement. Fou des épouses là-dedans, lui. Je vais voir un peu tes bottes, gringo. Je crois que vous les voyez très bien de là où vous êtes, seigneur. Retire tes bottes, americano. Comme vous voudrez. Parfait. Mais vraiment parfait. Un tel pour améliorer leur relation frontalière. La famille illettrée traverse le fleuve. Le massacre fait plaisir en peine a-t-il mis les pieds dans le pays. Merci beaucoup, l'ami. N'importe pas de quoi, vieillard. Tu es des paysans, vous devenez un paysan. J'ai même demandé de plus. Un socialiste, hein. Pas étonnant que vous ayez quitté l'Amérique. C'est beaucoup de choses, mauvaises pour la plupart. Mais j'ai quelques orientations politiques, non? Dans ce cas, je crains que le Mexique ne vous convienne guère. Ne vous inquiétez pas pour moi. Oh, mais si, il m'inquiète. Un homme en colère, loin de chez lui. Un homme qui tire n'importe comment. C'est manier ainsi cool. Du temps que c'est pour tirer sur des cailles ou des paysans. Mais face à face avec un homme, vous n'auriez aucune chance. Aussi, je pourrais vous apprendre quelques trucs. Suivez-moi. T'as qui êtes-vous? Oh, ça n'a plus d'importance. Et vous? J'ai jamais eu de nom, monsieur. J'ai été élevé dans un orphelinat. Véritable américain, hein? Excellent, vraiment excellent. Ok. Vous ne serez pas pris au cirque, mais vous savez tirer. Continuez de vous entraîner. Merci, vieillard. Alors, qui êtes-vous? Personne n'intéresse, auriez-vous? Landon Ricketts. Un nom qui ne veut plus lui dire grand-chose. Vous connaissez, non? C'était celle-là quand j'étais gamin. Oui, tu es des hommes qui ont fait une gloire bien étrange. C'était le plus rapide à l'époque, c'était sûrement vrai, vu que je suis le dernier. Qu'est-ce que vous en faites ici? Mais tranquillement, j'attends. Quoi donc? Je ne sais pas où. Je cherche deux hommes, Bill Williamson et Javier Escuela. Escuela est du coin. C'est possible, cet endroit grouille d'Américains en cavale. Et des mercenaires en attente d'une nouvelle révolution.
Révolution? Révolution? Encore? Eh oui, ça n'en finit jamais, ce pays t'a vraie nuit. La révolution depuis que les Espagnols sont repartis. Maintenant, un autre homme fait campagne, promettant la liberté aux paysans, blablabla, comme les deux ou trois autres avant lui. Le gouvernement a beau tas de crapules. Ça n'a pas changé! Le colonel Allende dirige la région comme un seigneur féodal. Je dis que ça n'a pas changé, c'est partout. Hein. Un affreux personnage, celui-là. Vraiment. Jusqu'à ce que quelqu'un lui fasse sauter la cervelle. Et on s'y met. Aussi bien à vous tenir droit pour ne pas faire tressaillir votre arme. Il va peut-être mieux avec ce chauffil là. Ça, c'est un vrai revolver. Passer en mode sang-froid. Ça va appuyer sur quoi pour marquer un objet? Marquer trop bouteille, appuyer sur AT pour tirer. Non, c'est pas ça. Malissimo! Disparais comme une niña! Let's try one more time. Remember what I told you. Attends. Ah, c'est ce bouton là. Au travail, c'était pas bien compliqué. Hein. Ah ben, c'est pas compliqué quand on voit le bouton. Mais moi, on va passer à quelque chose d'un peu plus ardu. On suit Cricket. Ils font du ravis dans le coin, on va mettre de nouveaux talents à l'épreuve, te rendre service au bon genre de chuparosa. Attends ici, je ferai l'oiseau ou l'oiseau. Voyons si vous pouvez en abattre plusieurs à la fois. J'ai au moins deux oiseaux. Zut. Au boulot, vous avez bien retenu la leçon. Je crois qu'un vieux bouc comme moi serait fermé. J'ai grandi en écoutant vos histoires, j'en entends toujours des fois. J'ai du mal à croire qu'est-ce qu'on raconte sur moi. Alors vous voyez, genre des gars qui discutent pour savoir qui est le plus fort. Le plus rapide, qui est le tiré dans le dos. Pas pareil, je suis toujours dans le plus rapide. Je suis allé de la banque, il est attaqué tout près de la ville. Encore besoin de votre aide. Calme, Ramon, on va s'occuper de ça. Merci, Seigneur. Vous êtes vraiment le héros de cette ville. Mais on dirait qu'il est temps de passer à la pratique. Ouais, tu rêvais de combattre aux côtés d'un héros. Oh, il est temps de vous faire chasser des plus grosses poids. Pourquoi vous cherchez ces deux hommes? C'est une longue histoire, faisait partie de bande à une époque où on était amis. C'est les vautours sont riches de leurs amis, de revoir une sacrée prune sur le dos. Feriez-vous si des types enlevaient les gens que vous aimez? Ok! Voilà, suivez-moi. Gardez vos distances, il est sans froid pour éliminer leurs viscères, d'accord. J'ai pas le temps. J'ai pas le temps. Come on, these people need me. Come on. Are you all right? Just a bit of pain in the knee, damn horse. Is it
terrible thing, you know, getting old. One day you catch a glimpse of yourself, you ain't the same person no more. Your looks have gone, your back hurts, and your pecker isn't working like it's supposed to. See, the problem with old age is... Look over there. They're in trouble, all right? Come on. Beat shooting birds, doesn't it? J'ai été un peu rapide sur le coup. Mr. Ricketts. I didn't say I'd become a coward. I'm not gonna stand by and watch good people suffer. They've been beaten down for too long. I give them some hope. They don't know how lucky they are. Damn right they don't, my sarcastic little apprentice. Chariot à l'île. Sano y salvo. Nunca podré agradecer lo suficiente. Buy me a whiskey later, and we'll call things about even. Niveau de sang-froid actuel 3 sur 3. Réputation plus 95. Qu'est-ce que t'as à me vendre, toi? How are you, mister? Bueno, t'es un ido. Ya encontrarás lo que busca. Qu'est-ce qu'on a? Fantástico. Gracias por J'ai pas besoin de munitions. Oh, wonderful. A ver qué tienes. Mella y sí. Muy bien. Gracias por sus negocios. C'est un cougar. Emocionante. Un placer hacer negocios contigo. Il paye cher, hein, pour pas grand chose. ¿Cómo estás? Il est pas le docteur là. Et ben on va s'arrêter là pour aujourd'hui, on prendra nos aventures la prochaine fois. Là on a un peu avancé, on a appris un peu à tirer. Et on verra ça la prochaine fois. Merci à tous d'avoir suivi, à bientôt tout le monde, ciao ciao.